on est réunis ce soir pour vous parler un petit peu des scolytes, du problème du dépérissement des forêts. Et cette manifestation a été organisée par deux associations de Gérardmer, les Vosges en Images et Nature en Images. On a créé un festival nature et photographique qui dure sur 3 mois, juillet, août et septembre. Et on va terminer le 26 septembre par le décrochage de nos images. Et je souhaitais qu'on parle un petit peu des forêts vosgiennes. Je me suis fait aider par Stéphane Chantreux, que je vous présente ce soir là, qui est producteur de cinéma, qui m'avait approché à un moment pour faire un film sur le dépérissement et sur le scolyte. Et je lui laisse maintenant la parole pour vous présenter le déroulement de notre soirée. Merci à tous. Tu m'as mis la pression pour producteur de cinéma quand même. Donc, plus humblement, je suis producteur de documentaires et de films d'entreprise. J'ai monté ma société dans les Vosges il y a 6 ans et je suis très très au fait et très sensible au sujet nature. Effectivement, juste pour la petite histoire, Sylvain m'a approché dans le cadre d'une recherche que je fais sur un film documentaire sur le dépérissement de la forêt. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, j'en suis très content. Merci de m'avoir invité en tout cas. En parlant d'invités, tout d'abord, merci à vous tous d'être là ce soir. On est très heureux de vous accueillir aussi nombreux. On voit que c'est une thématique qui semble intéresser de plus en plus de monde, en tout cas autour de nos forêts vosgiennes. Et évidemment, je vais commencer également à remercier tous nos intervenants qui nous ont fait l'honneur ce soir d'être ici. Je vais commencer par M. Stéphane Viry, député de la première circonscription des Vosges. Bonsoir Stéphane, merci Stéphane. Pardon pour le larcel. Monsieur Thomas Gion, conseiller départemental du canton de Gérardmer, qui est également ici en bout de rangée. Madame Elisabeth Kliffel, conseillère départementale du canton également. Monsieur Jean-Yves Boitre, responsable agence Vosges Montagne à l'ONF. Nous avons également le commandant Parmentla du SDIS 88, qui est référent feu de forêt au sein du SDIS. Le major Nicolas Lacaille, commandant du planton de gendarmerie de montagne de Xonrue-Longemer, qu'on reconnaît à sa tenue, je pense. Monsieur Gérard Auriel, président des scieurs des Vosges, qui va nous parler un peu de la filière bois. Madame Cassandra Perrin, qui est ingénieure forestière chargée de mission au CRPF, récemment nommée, que j'ai rencontrée également dans le cadre de mes recherches. Madame Françoise Preiss, excusez-moi si la prononciation est la bonne, très bien, naturaliste. Et Sylvain, qui est ici, qui s'est un peu oublié, qui est donc entrepreneur de travaux forestiers, mais aussi photographe amateur et qui aime énormément la nature. Non, c'est bon ? Donc, il y a du son ? Si, c'est bon. Donc moi, je voulais, en fait, très simplement, au lieu d'un... Je me recule un peu. Au lieu d'un grand discours pour vous parler de la forêt, on souhaitait d'abord vous présenter quelques images que moi, j'ai eu la chance de tourner, je sais pas, au niveau du son, par contre. Là. OK. Oui, je disais, pour commencer cette conférence, on va vous présenter un film plutôt que d'être dans un grand discours sur l'état des forêts vosgiennes. Moi, j'ai pu filmer en drone, parce que je suis télépilote professionnel de drone aussi, quelques images de parcelles, de forêts qui sont en train de dépérir. Donc, on va vous présenter ça. Excusez-moi, pour moi, c'est pas facile. Donc, on va vous présenter ça. Si tu peux remettre juste pause et en arrière. Merci. Juste avant, donc ça va être une mise en contexte, c'est-à-dire qu'on va vous présenter ces images et après, on va aborder 3 thématiques qui vont être lié à ce que vous allez voir, donc c'est la thématique environnementale, c'est-à-dire pourquoi on en arrive là, aujourd'hui. La thématique économique, puisque le dépérissement de la forêt implique de grandes, je dirais, conséquences au niveau économique. Et ensuite, on aura l'occasion de discuter des accidents et des conséquences aussi au niveau des feux de forêt qui risquent d'arriver dans la forêt. Donc tu peux lancer. On n'a pas de son.
au niveau du film, on en avait tout à l'heure. Il y a quelqu'un à la régie qui peut éventuellement mettre du son. Ok. Donc je vous propose juste une petite coupure de 2 secondes, parce que c'est quand même dommage de ne pas avoir la musique. Si on peut juste couper et voir si on peut régler le problème. Tu peux remettre en arrière le film tout au début. Vous excuserez pour ce petit problème technique indépendant de notre volonté. Bon, je vous propose qu'on envoie les images, tant pis, puis si elles sont arrivées en cours, tant mieux. Je vais essayer de les commenter éventuellement. Donc, bon. Donc ça, c'est des images très rapidement qui ont été prises aux abords de Remiremont principalement, et du Val d'Ajol. Sylvain, je pense que tu peux... On voit clairement des épicéas là, qui sont touchés par les scolites. Tu veux peut-être commenter, toi qui as l'habitude de les voir. Oui, bien entendu. Donc, vous n'avez certainement pas échappé à ces vues autour du massif. Alors, il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres et certaines vallées qui sont plus touchées que d'autres. Alors, bon, ben, on essaiera d'avoir un avis peut-être de naturaliste ou peut-être d'autres personnes qui comprennent un peu mieux. Moi, personnellement, je travaille dans la forêt toute l'année, depuis maintenant bientôt 40 ans, même un peu plus. Et franchement, bon, moi, j'ai jamais vu ça. Nos ancêtres l'ont vu, en 1947, apparemment. Très grosse épidémie de scolite également. Et qui a au minimum duré 3 ans également, d'après ce que m'ont dit mes parents principalement, qui travaillaient aussi dans la forêt. Donc là, j'ai terminé par des images de Gérard Mick. J'avais capturé un peu à l'improviste un jour d'orage avec un bel arc-en-ciel pour essayer de terminer sur une note un peu plus positive et colorée. Donc voilà. Moi, je sais que ça m'a beaucoup interloqué de voir ces parcelles-là. Je vais aller très rapidement, juste pour le petit historique. Moi, j'avais 10 ans quand, en fait, j'ai arpenté la forêt avec mon père, qui m'emmenait faire du bois d'affouage pour chauffer la maison. Il coupait les arbres à la scie, et le premier fracas d'arbres que j'ai entendu s'effondrer par terre, moi, m'avait beaucoup impressionné quand j'étais enfant. Ensuite, à 20 ans, ben, il y a eu la tempête Lothar en 99, où là, j'ai entendu la forêt vraiment s'effondrer autour de moi aussi. Ça m'avait beaucoup choqué. Et ce qui m'a le plus choqué au final, c'est à 40 ans, il n'y a pas très longtemps, je me baladais en forêt et je suis tombé au milieu d'une parcelle de ces épicéas qu'on a vu qui étaient morts sur pied. Et puis c'était un silence qui était pour moi aussi assourdissant qu'un vacarme d'arbres qui s'effondrait par terre. Et c'est là où j'ai décidé de travailler sur le sujet et c'est là où je vais passer la parole aujourd'hui à nos intervenants. On va commencer, je vous propose, par l'aspect environnemental, juste pour qu'on nous explique un petit peu ce qu'on a vu. Ces épicéas ou ces essences d'arbres qui sont touchées, elles sont touchées par ce qu'on appelle les scolites. Alors j'aimerais qu'on nous dise pourquoi aujourd'hui il y a une sécheresse dans ces arbres-là, pourquoi ils sont affaiblis, pourquoi ils sont touchés par les scolites, et puis un petit peu voilà, nous expliquer ce qui risque de se passer, en tout cas ce qui se passe et pourquoi on le voit comme ça. Je propose de peut-être passer la parole au hasard à monsieur Douenef, puis on en verra après sur madame Price, peut-être. Oui, donc le phénomène des scolites, c'est simplement au départ, il y a toujours des scolites hein, qui sont à l'état latent, hein, un faible niveau de population, et puis il suffit qu'il y ait une sécheresse et la population prolifère. Alors au départ, c'est un parasite, c'est un insecte qui s'attaque de façon secondaire, enfin c'est un parasite secondaire pour les arbres, c'est-à-dire que quand il est à faible niveau, les arbres réussissent parfois à résister. Hein. Quand les arbres sont en forme, il y en a certains qui résistent. Et malheureusement, quand il y a des sécheresses, les arbres sont affaiblis. Et le scolite parvient finalement, comme les arbres sont affaiblis, à faire mourir l'arbre. Et puis de fil en aiguille, la population augmente. Et on arrive à ce qu'on voit actuellement,
qui est effectivement le phénomène le plus spectaculaire qu'on ait vu depuis l'épisode. Alors à l'époque, on appelait ça les Bostriches. Hein. Après la guerre, il y a eu effectivement un gros épisode qui a été favorisé, je pense, par des étés également secs. Et puis surtout, il y avait eu les forêts avaient été par endroits touchées par la mitraille hein, des bombardements de la fin de la guerre, de la Seconde Guerre. Et ça avait favorisé le départ de cette épidémie. Voilà. Alors c'est le scolyte, hein, vous devez savoir, c'est un petit insecte, c'est un petit scoléoptère de quelques millimètres, hein, c'est millimétrique, et qui s'infiltre, qui perce l'écorce, qui s'infiltre sous l'écorce et qui fait mourir le cambium là où la sève circule. Voilà. Que dire de plus, bon, rapidement comme ça. Voilà, donc la situation va continuer. Enfin, paraît-il qu'elle devait stabiliser ou encore proliférer hein, la courbe de la population. Et théoriquement, après, ça redescend naturellement. Voilà. Françoise, si tu... pendant que le micro va être mis en marche, les volumes que nous on a dans nos historiques, hein, dans les archives, on n'aurait pas encore atteint le même volume qu'après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, d'après les chiffres qu'on a à l'ONF. Alors après, est-ce qu'à l'époque ils ont coupé beaucoup plus rapidement toutes les parcelles d'un coup, même s'il y avait deux trois arbres scolytés dedans? Et ce qui a fait que les volumes auraient grimpé artificiellement. Voilà, je ne sais pas, mais à l'époque, les volumes étaient encore plus importants. Donc, simplement pour un complément par rapport aux scolytes, hein, donc ils sont là naturellement, hein, déjà, ils participent naturellement au cycle des forêts. Jean-Yves a bien dit que c'était un insecte pathogène secondaire, un ravageur secondaire. Et en fait, c'est un ravageur qui s'attaque aux arbres affaiblis. Donc en fait, il permet aux arbres déjà faibles, finalement, de retourner plus rapidement au sol et de réenclencher tout un système, on va dire, de chaînes du vivant, hein, avec les bactéries, les champignons, etc. Donc ça, c'est un élément important, je pense, de savoir qu'il est naturellement là. Et ce qui est aussi important, c'est que justement, ces arbres qui retombent au sol et qui ne sont pas systématiquement sortis, participent justement à renchérir le sol, parce que ce qui est vraiment important dans une forêt, c'est de préserver le sol. C'est de là que part toute vie, c'est un élément fondamental du vivant. Et ce qui se passe actuellement, donc on a parlé de forêt, mais si vous regardez ce qu'on a observé là, c'est pas ce qu'on peut appeler une forêt complète, ça, on peut presque dire que c'est un champ d'arbres. Et quand ces arbres-là, surtout en plantation monospécifique, hein, quand on n'a pas une diversité d'âge, une diversité dans les structures et dans les essences, quand il y a des éléments, comment dire, quand il y a des événements type tempête, type sécheresse qui se répètent de manière, on va dire, de plus en plus fréquente, les arbres s'affaiblissent. Et quand naturellement ils sont capables de se défendre hein, contre le scolyte, hein, notamment par la production de résine, mais quand ils sont trop affaiblis, ils n'ont plus cette capacité d'autodéfense. Et donc ils sont de plus en plus faibles, et donc les insectes qui sont aussi de plus en plus nombreux arrivent à, à atteindre ces arbres et à les faire mourir de manière plus importante et de manière quasiment plus systématique. Donc je crois que là on est vraiment à une croisée de la gestion de nos espaces, et aussi, je veux dire, c'est une crise, je pense, qui va aussi cristalliser la façon de gérer à l'avenir et la façon de voir à l'avenir nos forêts. Pas prendre plus de temps, mais je pense que nos paysages vont changer dans les prochains temps. Et je crois que là, on est vraiment là à discuter de comment et peut-être pourquoi aussi. Je rajouterais juste qu'actuellement, la population est telle qu'il devient parasite, enfin un ravageur primaire. Hein. Donc actuellement, le scolyte, il y en a tellement qu'ils attaquent même les arbres qui sont, on va dire, en pleine forme. Alors justement, Françoise, vous parliez de pans de culture. Moi, j'aime beaucoup ce souci de pans culturels aussi. On a les paysages qui vont changer. Donc la monoculture, c'est vrai que c'est quelque chose. Le sapin, l'épicéa, c'est très, très connoté montagne des Vosges.
si on parle justement monoculture et exploitation du bois, peut-être qu'on peut commencer déjà à parler un petit peu de l'économie du bois. J'aimerais quand même juste entendre Stéphane Viry d'abord, parce que je sais qu'il était à l'origine quand même d'un bon dossier, moi, que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est qu'il a réussi à faire venir à Anne-Laure quand même dans les Vosges pour prendre un peu le pouls de la forêt vosgienne suite au fait, si je ne me trompe pas, que le président Macron ait demandé un rapport sur l'état de la forêt en France. Et Stéphane, je crois que tu as fait venir Anne-Laure pour qu'elle voit un petit peu ce qui se passait ici. Donc si tu peux peut-être nous raconter un peu ça, et puis après qu'on puisse ouvrir sur l'exploitation et l'économie du bois. Oui, merci Stéphane, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis très préoccupé par la situation de la forêt vosgienne, bien sûr, mais sur la situation de la forêt française. Et pour vous dire les choses telles que je le pense, telles que je l'analyse, depuis 4 ans que j'occupe ces fonctions à l'Assemblée nationale, ce n'est pas une priorité des pouvoirs publics pour le moment. Je le dis sans phare et sans esprit polémique aujourd'hui. En décembre 2017, avec quelques députés et quelques sénateurs du Grand Est, nous avons obtenu à l'époque, c'était Stéphane Travers, ministre de l'Agriculture et de la Forêt, un rendez-vous pour aller le sensibiliser, l'interpeller, le bouger sur ce qui se passait déjà dans nos forêts. Nous avons eu un ministre attentif, à l'écoute, mais nous disons de façon un peu maladroite qu'il était ministre de l'Agriculture et de la Forêt, que les états généraux de l'alimentation et donc l'agriculture le prenaient tout son temps, et la forêt ça viendrait après. Par la suite, nous avons rencontré Didier Guillaume, et j'ai interpellé à plusieurs reprises Didier Guillaume, notamment au cours du printemps 2020, juste avant le début de la crise sanitaire, sur ce qui se passait, en lui expliquant qu'il fallait coûte que coûte que l'État, que les pouvoirs publics réagissent. En 1999, ça a été rappelé, lorsque cette tempête était venue saccager les forêts, la réaction de l'État avait été massive, massive. La réponse avait été puissante, peut-être jamais suffisamment, mais globalement, il y avait cette prise de conscience qu'il s'était passé quelque chose et qu'il fallait une réponse forte. Là, manifestement, nous n'avons pas eu la réponse. Moi, je suis donc assez préoccupé, et tout ce que je peux faire pour mettre la question de nos forêts au cœur du réacteur politique, je le fais. Alors effectivement, j'ai appris, maintenant le temps passe, il y a plusieurs mois en amont, qu'une de mes collègues députées de la majorité, qui est vraiment très compétente sur le sujet, avait donc été commandité par le président pour faire un rapport sur la forêt. Je lui ai bien sûr demandé de venir faire une étape dans les Vosges pour venir se constater, venir rencontrer les professionnels de la filière. Et il semblerait que de l'avis partagé et commun, qu'Anne-Laure Cattelot a plutôt fait un rapport de bonne facture. Le vrai sujet maintenant, c'est quid de ce morceau de papier, quid de ce document, quelles conséquences on va en tirer. Donc Anne-Laure Cattelot est là, et d'ailleurs je travaille encore très souvent avec, parce que la semaine dernière j'ai co-signé avec elle un courrier à Julien de Normandie, le ministre actuellement en charge de la forêt, parce que figurez-vous, et je ne voudrais pas être trop long, mais pour vous expliquer à quel point je suis en colère sur un sujet comme celui-ci, figurez-vous que qui dit forêt dit forcément ONF, même s'il n'y a pas que l'ONF. Dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance de l'ONF donné à cet établissement pour 2021-2025, conclu en juillet dernier, il est prévu, pendant les 5 ans qui viennent, alors que la forêt elle est vulnérable comme jamais, ça fait 50 ans que nos forêts n'ont pas été dans l'état là, il est prévu dans les années à venir qu'on supprime encore 500 postes équivalents temps plein à l'ONF, qu'on demande par ailleurs aux communes forestières de contribuer encore plus au budget de l'ONF, c'est-à-dire qu'on va à contresens, à contre-courant de tout ce qu'il faudrait pour essayer de soutenir l'écosystème. Pour encore être très long, je vais surtout laisser la parole, mais le message que je tiens à vous dire aujourd'hui, c'est que globalement, il y a, on en a parlé au département la semaine dernière lors du plan stratégique, il y a pour certains une prise de conscience et une volonté de faire. Parce que la forêt, pour nous dans les Vosges, c'est une identité, c'est une ressource, c'est une nécessité pour l'humanité. C'est pas à vous que je vais le développer, c'est peut-être pas lieu de le dire aujourd'hui. Et que manifestement, je trouve que la réponse politique, au sens puissant et noble du terme, elle est, pour le moment, pas à la hauteur, et c'est assez préjudiciable. Voilà, donc moi je ne cesse, alors je suis président du groupe d'études parlementaires sur la forêt et sur le bois à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que je suis très investi sur ces sujets-là. Je partage la coprésidence avec un député de la majorité, et plutôt, ça, on bosse pas mal, mais un groupe d'études, ça n'a pas pour objet, on n'a pas de budget, ça n'a pas pour objet de décider. On est là pour interpeller, on est là pour interroger, on est là pour proposer. On se réunit
très souvent, mais si au-dessus, celles et ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir exécutif et les collectivités territoriales, ne comprennent pas qu'il faut faire un effort substantiel, même si le sujet est complexe, notamment pour soutenir la filière et pour permettre tout simplement un repeuplement, un reboisement, pour préserver autant que soit possible la filière, ça va être compliqué. Voilà, alors, les scolytes, vous l'avez dit, monsieur, les attaques, elles sont assez récurrentes, l'insecte, il est là, on souffre de deux choses, des canicules pendant trois étés successifs, un déficit d'eau, une sécheresse hydrique qui a posé des difficultés, effectivement, le scolyte a pu prospérer et encore plus abîmer nos forêts. Maintenant, la situation, elle est là. Il y a la nature qui fait son temps. On ne pourra pas lutter contre tout. Moi, en termes de responsabilité politique, c'est désormais maintenant comment on fait pour reboiser, repeupler et permettre effectivement à ce qu'il y ait des arbres pour l'humanité et pour la filière économique. Gérard, est-ce que vous voulez ajouter un mot ? Alors, Gérald, c'est pas grave, hein, j'ai l'habitude, mais je suis un peu étonné. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, hein, concernant l'ONF, demande au COFOR pour la contractualisation, pour financer un peu plus facilement l'ONF avec la contractualisation. Par contre, je suis étonné que vous ne parliez pas du plan de replantation, quand même du montant qui a été affecté pour la replantation, dont une grosse partie qui repart, je pense, à l'ONF, aux coopératives, dû justement à cette crise colite. Donc, je vous redonne. Alors, je n'en ai pas parlé parce que je ne tiens pas à faire une conférence à moi tout seul. Il y a des intervenants de qualité et d'origine diverses qui ont chacun, effectivement, à mon avis, des éléments apportés pour provoquer la réflexion et la connaissance. Il y a eu, effectivement, dans le cadre du plan de relance, 150 millions qui a été mis sur la table. On a poussé pour qu'il y ait 50 millions de plus. De l'évidence et à la requête de tout le monde, c'est loin d'être suffisant. Moi, je trouve qu'on a ici, dans le Grand Est, une région qui est plutôt proactive, qui essaie effectivement d'apporter des solutions. On a vraiment une région qui a compris la difficulté, qui essaye, mais à la base, c'est surtout à l'État, parce que la forêt est un bien commun qui dépasse simplement le département et la région. C'est à l'État, me semble-t-il, de faire l'effort avec son opérateur principal, qui est l'ONF. Alors, je n'en ai pas parlé, pas par esprit de querelle, hein, parce que je ne pouvais pas parler de tout. Et on m'avait surtout branché sur le rapport d'Anne Marquette. Non, il ne marche pas. Même contre l'hiver, parce que ne marche pas. Non, c'était. Je suis d'accord, on n'est pas toujours écouté. C'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, on espère qu'avec le ministre Julien de Normandie, on est déjà plus écouté, pour des raisons que vous connaissez peut-être. Et c'est quelqu'un qu'on apprécie, avec qui on peut réellement discuter. Et donc, la forêt publique, la forêt privée va être aidée par ce plan. On espère vraiment, oui, avoir un peu plus que 150 millions d'euros, parce que c'est énorme quand même, hein, ce qu'il y a à replanter. Et en termes de volume, mais en termes d'essence, quoi replanter? J'entendais tout à l'heure, les monocultures sont plus fragiles et peuvent dépérir beaucoup plus vite et être attaquées par le scolyte plus facilement que des forêts mixtes. Je l'entends tout à fait, et c'est vrai que nous avons replanté quand même à des endroits des forêts de monoculture d'épicéa, à des endroits où il n'aurait certainement pas fallu le faire, et c'est celles-là qui sont tombées les premières, qui ont souffert le plus et dont les scolytes se sont nourris. Mais il y a aussi des arbres très sains qui sont attaqués par le scolyte tellement ils sont nombreux. Et abandonner totalement la monoculture sur des stations riches qui permettent de le faire, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui faille complètement oublier, qui faille complètement changer. Mais on en fera très clairement beaucoup moins, parce que ces stations sont moins nombreuses que celles que l'on pensait il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Et le changement climatique, parce qu'on est obligé d'en parler, bon, c'est bizarre que ce soit moi qui en parle le premier, mais avec les débris que l'on prend, forcément, des stations qui étaient valables pour de la plantation en monoculture, en épicéa, en Douglas, ben, ne le seront pas demain. On parle des Ardennes, et les Ardennes ont bien encore pas mal d'épicéas, qui vont jusqu'à 500 mètres d'altitude au maximum sur le plateau,
est-ce qu'on pourra encore avoir de l'épicéa dans 10 ans, 20 ans dans les Ardennes? Pas sûr. Mais sur le massif vosgien, on a encore des stations sur lesquelles on peut replanter de l'épicérette et des essences endogènes que l'on a aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé partout de penser à mettre des essences qui viennent de climats plus chauds. Moi, j'ai juste une petite question à vous tous, à celui qui pourrait y répondre. Qu'en est-il aujourd'hui? On entend quand même pas mal parler dans le milieu forestier de tests, d'essais sur des essences différentes et des essences et d'autres essences. Je sais que Cassandra pourra peut-être dire un petit mot là-dessus. Elle, pendant ses études, elle a fait une formation en Autriche. Et je crois que, je pense ne pas me tromper en disant que tu as étudié un petit peu ça là-bas en Autriche, ou tu as vu faire les choses en Autriche par rapport à ça. Alors oui, du coup, j'ai fait une partie de mes études en Autriche où j'ai fait un projet sur le scolite. Après, j'ai pas beaucoup parlé de plantations là-bas, mais j'ai fait un stage récemment au CRPF où justement on a parlé des plantations d'avenir. Ce qu'on a vu en Autriche, c'était une toute autre approche puisqu'on parlait surtout des parcs nationaux. Donc c'était plutôt est-ce qu'on laisse en régénération naturelle, est-ce qu'on coupe, qu'est-ce qu'on met derrière. Et le parti pris qui était là-bas, c'était de dire que le scolite fait partie de l'historique naturel de la forêt. Donc, on laisse faire, on laisse les chandelles mourir et on laisse la régénération naturelle se faire en espérant que derrière, on ait un mélange d'essences qui permettent d'avoir une forêt irrégulière et diversifiée. Donc, c'était le parti pris, notamment, je pense au massif de la Soumava en République tchèque, donc c'est à l'est de la Bavière en Allemagne, où il y a eu ce cas-là. Évidemment, on ne peut pas faire ce genre de choses dans les Vosges. Et le parti pris qu'on a pris en France, c'est de faire des coupes d'urgence, de couper les épicéas scolytés, et derrière, on veut essayer de remettre quelque chose. Au CRPF, ce qu'on fait, c'est qu'il y a depuis quelques années, on essaye des essences, justement, qui sont plus adaptées à des climats qui sont plus chauds, comme le parlaricio ou alors le sapin de Bornmuller, par exemple. Il y a des essais qui sont déjà mis en place à Nancy, mais qui sont plutôt récents. Et malheureusement, on n'a pas assez de recul encore sur ce type d'essence pour savoir si on peut les installer ici. Donc ça, c'est le problème. Et je reviens aussi sur le plan de relance, les 150 millions d'euros qui sont dédiés au plan de relance. Selon nous, c'est quelque chose qui est positif, mais qui arrive peut-être 5 ans trop tôt, parce que justement, on n'a pas assez de recul sur les itinéraires techniques de plantation qu'on pourrait faire notamment à la suite d'une crise ou même d'une tempête. Et justement, on a un effectif de personnes au CRPF qui est assez réduit, et donc ils se doivent d'engager des CDD ou alors des stagiaires pour travailler sur ce genre de plantation. Donc moi, par exemple, j'avais travaillé sur les plantations par Plasso, donc ça reprend un petit peu un itinéraire technique de 10 lots de régénération naturelle. Et ce qu'on essaye de faire le plus possible, justement, c'est d'avoir des itinéraires qui suivent la logique d'avoir des forêts mélangées. Donc on va mélanger les essences, on va essayer de planter de nouvelles essences qui ne sont pas forcément autochtones au Grand Est. Et puis après, on va espérer derrière que ça va casser les attaques biotiques ou autres. Mais oui, malheureusement, on a quand même très peu de recul sur les itinéraires techniques. Merci Cassandra. Moi j'ai une petite question aussi. On parle de réchauffement climatique, le rapport du GIEC montre que ça s'accélère beaucoup au niveau du réchauffement climatique. Moi, au cours de mes rencontres des uns des autres, certains ne sont pas là, on m'expliquait que la forêt elle pourrait être capable de s'adapter, mais ça va beaucoup trop vite. La forêt s'adapte peut-être mal ou pas assez vite. Est-ce que aussi l'industrie forestière, ou en tout cas la filière, et les pouvoirs publics peuvent s'adapter eux aussi en se disant peut-être qu'il faut qu'on change nos façons de faire ou nos façons d'exploiter le bois? Ça, c'est une question que moi je jette comme ça un peu dans la marche. Ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue là-dessus. Ça sera naturellement aussi hier de s'exprimer, peut-être un mot sur ce que vous avez dit, qui est à mon avis aussi le cœur du sujet. C'est-à-dire que personne ne sait précisément et la doctrine n'est pas posée.
sur la solution pour traiter le problème et sur le type de reboisement, de régénération. Moi, mon sujet, j'y connais pas grand-chose sur le fond, c'est pas mon problème. Mon problème, il est de trouver une réponse politique de puissance publique pour répondre à la question. Après, c'est pas un élu qui va décider quelle essence planter, c'est pas le cas. C'est vrai que vous avez raison, j'écoute beaucoup, et je m'aperçois que les solutions, elles sont pas unanimement admises. Et tant qu'il n'y aura pas peut-être une forme de consensus sur la façon de répondre à ces difficultés, peut-être qu'effectivement on va continuer un petit peu à tâtonner, et peut-être qu'on va dépenser mal de l'argent qui a été mis sur la table à un certain moment, alors qu'on aurait... Sur ça, je vous reçois plutôt bien volontiers. Après, le plan de relance, c'est la bonne transition pour vous, a notamment aussi permis de moderniser l'outil de production de la filière. Alors, ça n'a pas été uniquement de l'argent pour des plantations, pour repeupler, c'était aussi pour répondre à des projets d'investissement, notamment certains cires. Oui, tout à fait. Sachant que nous, industriels, on ne fonctionne pas à la même échelle de temps que la forêt. Nous, on peut s'adapter beaucoup plus vite. On ne sait pas aujourd'hui où on va pour la forêt, mais nous, ça peut aller très vite. Les investissements vont très vite. Là, M. Véry parlait de plan de relance. Bon, les cieux, en tout cas, dans le Grand Est, on n'y a pas eu beaucoup de droit, on va dire ça comme ça, mais bon, peu importe. Mais j'avais l'AG de la FNB, donc la Fédération Nationale du Bois Grand Est, ce matin, et j'ai essayé de faire le tour auprès de mes collègues qui étaient présents dans la salle. Sur le Grand Est, en termes d'investissement, je crois qu'il doit y avoir 250 ou 350 millions d'euros qui sont en jeu, qui vont s'installer, justement pour renouveler le matériel, créer de la valeur ajoutée et tout ce qu'il faut. Donc très, très clairement, on saura s'adapter. C'est pas un problème. Du moment où le matériau que l'on aura, le bois que l'on aura, le cèdre de la tasse aussi, je crois, fait partie des essences qui sont testées. Alors je ne me rappelle plus le feuillu, moi je suis principalement cire résineux, mais du moment où ces essences, si elles peuvent très bien se reproduire chez nous sur le Grand Est, sur le massif vosgien, très bien, mais il faut qu'elles puissent être utilisables. Il faut que son utilisation, il faut qu'on soit convaincu d'utilisation, et il faudra normer son utilisation, son classement, sa résistance mécanique. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et parce que très clairement, nous, on ne va pas investir pour s'adapter à un produit qui ne peut pas être utilisable sur nos marchés de construction ou d'ameublement, ce qui est évident. Donc moi, c'est ma petite crainte. J'espère qu'on y pense à tester la résistance mécanique de ces nouvelles essences que l'on teste. Sinon, ce serait quand même un peu dommage. J'ai pas envie qu'on ait sur le massif vosgien et dans le Grand Est le même massif forestier que l'on peut retrouver dans le PACA, qui très clairement est très forestier, très dense, mais inutilisable économiquement. Et quand on parle de gestion durable, la partie économique est très importante, parce que c'est la partie économique qui finance le reste. Et ça, il faut pas l'oublier. Mais en tout cas, une chose est sûre, nous, scieurs, on s'adapte à notre massif, à notre ressource, c'est pas le contraire. On ne va pas demander à la forêt de s'adapter à nos outils de travail, ce serait complètement stupide. C'est nous qui nous adaptons aux outils de travail. Et nous, on peut, aller en 2-3 ans, totalement changer notre outil de travail si nécessaire. Donc nous, c'est pas un problème, on saura s'adapter. Merci Gérald. Moi, j'aurais peut-être une question à poser aux scieurs. Est-ce que les bois scolités conservent leur qualité mécanique? Et est-ce que globalement on peut encore les utiliser ou est-ce que globalement c'est de la valeur perdue? Alors je vais essayer d'être simple. Pour nous les scolites, quand il est scolité, pour nous il y a trois étapes. Il y a le scolité frais, où il commence à perdre ses épines, où là il n'y a pas de souci de résistance mécanique. S'il est coupé très rapidement, on peut l'utiliser pratiquement comme du bois frais, mais on doit aller vraiment très très vite. Ensuite, il y a l'étape qu'on appelle le bois scolité. Donc le bois scolité, là, ça par contre, gros décollement d'écorce, c'est compliqué, mais sa résistance mécanique est toujours correcte. Elle est toujours correcte, sauf qu'on a un problème, c'est la coloration bleue. J'imagine que vous avez tous vu des bois, des grumes scolités, vous voyez une petite couronne bleue autour. Et ça, en termes de produits chez nos clients, ça pose des problèmes.
C'est parce que sur le bord des bois, c'est ce qu'on utilise pour faire des caisseries, des palettes, qui peuvent être utilisées dans l'alimentaire. Et il y a toujours cette crainte esthétique. Les gens ont peur que ce soit des champignons ou autres. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Mais après, la résistance mécanique en elle-même, elle est toujours là. Par contre, après, il y a ce qu'on appelle les vieux scolidés. Là, les vieux scolidés, c'est plus possible. En construction, ça ne respecte plus les normes. Et moi, je ne voudrais pas pour moi une charpente que j'utilise avec des bois provenant d'épicéa scolidés depuis 8 mois, 9 mois, un an. Mais en effet, les scolidés frais et les scolidés conservent totalement leur résistance mécanique. Donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on sort les bois scolidés. On a essayé, en tout cas, depuis le début de cette crise scolite, donc avec l'ONF, hein, parce qu'on a mis en place un certain nombre de choses pour sortir les bois plus vite, pour différentes raisons. La première raison, c'est essayer de sortir les bois avec les scolites encore dans les arbres, pour diminuer la population des scolites dans la forêt. Donc ça, c'est les bois frais, les scolites frais. Et ensuite, toujours sortir le plus vite possible pour garder la valeur économique des bois. Mais après, c'est l'offre et la demande. Et quand vous avez trois fois plus de bois que ce que l'on peut consommer et que vous savez que quand vous l'achetez, si vous en achetez trop, vous ne pourrez pas le consommer, vous allez vous retrouver avec des grumes inutilisables. Forcément, vous savez très bien que quand l'offre et la demande est déséquilibrée, c'est toujours compliqué, mais on a vraiment essayé de jouer le jeu, le partenariat avec nos partenaires historiques en mettant en place des contrats cadres, okay, pour que ça se passe au mieux et que le propriétaire s'y retrouve. Super, merci. Moi, j'aimerais juste refaire une parenthèse avant d'enchaîner sur notre troisième thématique sur laquelle on va faire intervenir le PGM et le SDIS. Au niveau environnemental, si on refait une petite parenthèse, le réchauffement climatique, on parle des scolites, mais moi, il me semble qu'on a aussi d'autres problématiques qui touchent le chêne, c'est la chenille processionnaire qui aussi monte en puissance. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est dû aussi à une conséquence du réchauffement climatique? Parce que ça, je pense que tout le monde... Enfin, beaucoup de gens se posent la question. Je crois qu'il y a aussi un champignon, la calara du frêne, ou le chalara, je ne sais pas comment on dit. Je sais pas si, ouais. Et ça, est-ce que ça impacte aussi, est-ce qu'on le voit se développer, et est-ce qu'il y a un impact aussi sur l'exploitation du bois? Je propose qu'on donne la parole à Madame la ministre. Par rapport à la processionnaire, moi, je n'ai pas d'éléments parce que je ne sais pas le type de milieu sur lequel je travaille, mais peut-être Cassandra, Oui, j'interviens juste rapidement sur la calarose. Donc la calarose n'est pas, c'est un champignon, mais son développement n'est pas du tout lié à la problématique des modifications climatiques. Voilà. Et actuellement, il y a, une espèce de, d'immunité ou de, qui est en train de se mettre en place. On n'a pas atteint les volumes annoncés de mortalité des frênes. Voilà. Concernant la processionnaire du chêne. Donc, on en a eu quand même pas mal cette année. Et si je pourrais donner un chiffre indicateur, c'est qu'elle remonte vers le nord-est de la France de 4 km par an. Donc, en fait, avec le réchauffement climatique, forcément, il va faire plus chaud chez nous et on aura plus de chances d'avoir de la processionnaire qui va venir ici. Oui, donc ça reste problématique avec le réchauffement climatique. Oui, tout à fait. Je vous propose qu'on enchaîne avec la troisième thématique, puisque le temps passe et puis on doit libérer certains intervenants dans quelques dizaines de minutes. Donc, ce dépérissement, cette fragilisation de la forêt, moi j'ai appris des choses d'ailleurs pas très longtemps avec un échange de mails avec le major Lacaille qui est ici, c'est qu'il y a des problématiques qui se posent notamment en termes de techniques de secours, puisque les arbres sont fragilisés. Il y a aussi une montée en puissance, et je crois qu'il y a des conventions qui ont été signées entre le SDIS et l'ONF pour la montée en puissance de moyens mis à disposition pour la lutte contre les feux de forêt, puisque on se retrouve avec des scénarios qui peuvent être de plus en plus problématiques à ce niveau. Donc moi j'aimerais qu'on aborde cette thématique. On va commencer par vous, en commandant, si vous voulez bien. Bonsoir messieurs dames. Oui, effectivement, le feu de forêt. Pour nous, sapeurs-pompiers des Vosges, c'est quoi? C'est un risque majeur. Derrière ces termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons mis en place un plan d'équipement, donc de nouveaux matériels, sur des plans de 5 ans, c'est-à-dire des camions, les mêmes que vous voyez à la télévision dans le midi, parce que ce sont des matériels normés, nationaux. Ensuite, nous avons de nouveaux matériels techniques, comme les drones,
avec des caméras thermiques, ce qui nous permet de calculer immédiatement les surfaces qui sont en feu ou à refroidir. Ensuite, à travers ces matériels, on a mis un plan d'équipement et un plan de formation. Donc le plan de formation, nous avons renforcé la qualification de nos cadres qui se forment dans le midi. Il faut savoir que le feu de forêt, c'est une doctrine et des techniques opérationnelles nationales. C'est-à-dire, comme vous avez remarqué dans la presse, nous avons envoyé des sapeurs-pompiers en renfort sur le feu de Baffaron et ils se sont imprégnés immédiatement des techniques opérationnelles sur place et ils sont intervenus dès leur arrivée. Ensuite, c'est un travail interservice, vous l'avez dit, M. Champreux, dont nous avons des conventions avec l'ONF, avec la gendarmerie, avec différentes associations, avec les communes, avec également les propriétaires forestiers privés et aussi un partenaire qui est pour nous important, Météo. Météo France nous donne tous les jours, depuis la période du 15 juin jusqu'à fin septembre, des cartes qui sont détaillées par les scientifiques où on va calculer le degré de sécheresse des arbres morts, de la végétation morte, plus la vivante. Ce qui nous permet, par rapport aux conditions météorologiques, de pouvoir anticiper les risques qui sont gradués sur 5 niveaux jusqu'à très sévères. Alors, quand on a nos cartes que l'on reçoit tous les jours, on fait une expertise, et si on est plusieurs jours avec des cartes à haut risque dans les Vosges, dans le Grand Est, eh bien, le 19 avril, vous avez vu dans la presse également, nous avons un avion que vous avez également vu à travers ces feux cet été, eh bien, l'aéroport d'Épinal-Mirecourt a été recensé comme pélicandrome. Ça veut dire quoi, le pélicandrome? Eh bien, ce sont des avions qui sont prévus pour monter depuis Nîmes en 55 minutes. Ces avions arrivent sur l'aéroport de Mirecourt et peuvent intervenir immédiatement. Parce que la technique sur un feu de forêt, c'est quoi? C'est d'agir immédiatement. Donc, en 55 minutes, c'est l'équivalent d'un véhicule, on va dire, allez, de char qui doit monter sur Remiremont, eh bien, il mettra autant de temps, parce que nos véhicules sont avec des vitesses limitées, puisqu'ils sont des véhicules hors chemin, donc ils roulent à 70-90 km/h. Eh bien, le temps que nos personnels volontaires puissent venir dans les casernes, se déplacer, arriver sur site, ça mettra à peu près autant de temps que l'avion qui viendra de Nîmes. Vous voyez, et tout de suite, l'avion pourra larguer des largages de produits retardants et il fera le ravitaillement, il fera des norias à Mirecourt. Ensuite, nous avons dans le plan de formation, nous avons systématiquement des manœuvres pour aguerrir nos personnels sur l'ensemble du département. Il faut savoir que le SDIS a 111 casernes et environ 30% de nos casernes sont équipées de moyens feux de forêt. Et quand nous faisons nos exercices, nous avons également l'habitude de faire des exercices avec les départements voisins. Donc ce sont des manœuvres combinées, parce que nos forêts, ben, quand on est en forêt, oui, on est dans les Vosges, mais aussi on peut être en territoire limitrophe avec la Meurthe-et-Moselle, avec la Meuse, avec la Haute-Marne. Donc nous faisons cet ensemble d'exercices annuellement. Donc pour conclure pour le SDIS, vous avez vu, on a vraiment hiérarchisé l'ensemble de nos prises de mesures, parce qu'on sait que tous les ans, la sécheresse du pourtour méditerranéen monte de 50 km pour nous sapeurs-pompiers. 50 km, donc ça veut dire que toutes les décisions que l'on prend, tous les dispositifs de formation, d'équipement, ça veut dire qu'on est déjà prêt pour les années futures. Il ne faut pas être catastrophique non plus, mais nous serons prêts. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas être alarmiste, mais là on est devant un fait accompli d'une prise de conscience qu'on va se retrouver avec des scénarios quand même de possibles de feux de forêt comme dans le sud, dans les Vosges. C'est ça qu'on prévoit, qu'on anticipe. Alors on anticipe effectivement parce que nous sommes vallonnais et il y a quelques mois on a même eu un article international qui disait que la forêt vosgienne avait des similitudes avec la forêt australienne sur certains secteurs. Donc c'est vraiment prégnant. Et il y a 15 jours, il y a eu un article dans Le Monde qui est sorti justement sur le risque de feu de forêt dans les Vosges. Donc c'est vraiment, il faut prendre cette mesure de ce risque majeur. En
termes de risque, je vous propose qu'on passe la parole au Major Lacaille du PGM. Donc, Major, vous me disiez par là, il n'y a pas très longtemps, enfin en tout cas par l'intermédiaire de M. Jion ici présent, que des nouvelles problématiques se posaient notamment par la fragilisation des branches des arbres lors de vos secours en montagne notamment. Voilà, bonsoir messieurs, dames. Donc, dans le massif des Vosges, quand je dis massif vosgien, c'est aussi bien côté 88 que côté alsacien, on n'a encore jamais été confronté à des problèmes dus aux scolytes. Par contre, on est très vigilant à ça quand même, même si on n'a pas encore été confronté, on voit bien que le scolyte gagne du terrain. Et le problème pour nous, en fait, c'est qu'on intervient de plusieurs façons, soit de manière héliportée, soit de manière pédestre, quand les conditions météo ne le permettent pas. Si on intervient en hélico et qu'on doit survoler une forêt dans laquelle il y a du scolyte, eh bien, il y a un risque aggravé, lorsqu'on va faire des treuillages, de blesser les gens avec des chutes de branches qui sont fragilisées. Donc ça, pour y remédier, donc comme je vous l'ai dit, ça n'est jamais arrivé, mais bon, c'est pas très compliqué à gérer. On va se vertreuiller plus loin, on va déplacer la victime après l'avoir conditionnée. Donc c'est gérable. Après, l'autre problème qu'on peut avoir, c'est lorsqu'on fait des amarrages pour faire, admettons, se servir d'un treuil. Si l'arbre est fragilisé, effectivement, là aussi, on peut avoir des gros problèmes par rapport à ça. Donc là, on a d'autres méthodes pour faire des relais. Et par contre, le plus grave, par contre, qui pourrait arriver et qui ne nous est pas arrivé, c'est qu'un parapentiste tombe, se crache dans une forêt, comme on a vu tout à l'heure, donc scolité. Alors là, donc, ça devient vraiment problématique parce que normalement, on intervient en grimpant dans les arbres. C'est beaucoup plus sécuritaire que par la manière avec l'hélicoptère. Mais bon, les arbres scolytés, on ne peut pas monter dedans, vu la forêt qu'on a vue tout à l'heure. Donc là, il y aurait un réel problème qui se poserait. Donc dans ce cas-là, l'hélicoptère serait la seule méthode possible, sachant qu'il faut être au moins à 40 mètres de la victime pour ne pas trop faire de souffle. Donc bon, vous imaginez que ce n'est pas évident d'intervenir dans ces conditions. Donc en gros, voilà. Un petit conseil, donc s'il y a des parapentistes qui doivent se cracher, qui choisissent des forêts plutôt vertes que scolytées. Voilà. Ben, oui, parce qu'en fait, on a donné la parole à vous tous ce soir. Moi, je pense surtout aux utilisateurs de la montagne, parce que bon, certains décrient les travaux forestiers parce qu'ils ne respectent pas la forêt, mais sans la gestion forestière, on ne pourrait pas profiter de la forêt. Il faut quand même se le dire. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est important de souligner, c'est ce qu'on disait, on ne voulait pas prendre de partie, en tout cas, dans ce qu'on voulait faire ce soir, c'est que sans la gestion et le travail de l'ONF ou de l'industrie de la filière bois, on ne pourrait pas profiter et utiliser la forêt comme on le fait, faire du vélo, faire la rando, etc. Donc il y a les utilisateurs aussi qui impliquent, il y a de plus en plus d'utilisateurs de la forêt et du massif, donc ça implique aussi les secours en montagne. Donc moi je trouve que ce serait important, s'il y a des questions dans la salle, parce qu'on est déjà presque à 19h, j'aurais aimé pouvoir essayer de donner la parole à des gens dans la salle et que vous essayez d'y répondre, messieurs dames, ce soir, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous souhaiteriez poser des questions à nos intervenants? Est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient intervenir, poser des questions, monsieur? Moi, je voudrais avoir des informations sur les scolytes, sur les sapins. Le scolyte du sapin, c'est vraiment un ravageur secondaire et il ne se grade, enfin, il n'y a pas dégradation, des augmentations de population aussi violentes que le scolyte, le typographe. Hein, c'est le typographe ou le calcographe qui s'attaque à l'épicéa. Donc c'est vraiment, voilà, il arrive vraiment sur des arbres qui sont très affaiblis, quoi. Donc ce que vous avez comme dégâts actuellement sur le sapin, c'est avant tout de la physiologie de l'arbre qui a été atteint par les sécheresses et les canicules. Et après le scolyte arrive dessus, mais c'est pas le scolyte du sapin, comment il s'appelle, le... Le curvidenté, voilà. C'est pas le curvidenté qui fait mourir le sapin, hein. Ou alors c'est vraiment des arbres qui sont très très affaiblis au départ.
Alors, par contre, on a effectivement un dépérissement du sapin qui se manifeste, qui touche pour le coup peut-être presque tout autant le nord du département, enfin la partie nord de la montagne que la partie sud. Actuellement, il y a plus de scolytes sur la partie sud, d'épicéas scolytés sur la partie sud, et il y a beaucoup plus, enfin il y a tout autant de sapins par contre du nord au sud. Voilà. Et il y a le hêtre aussi qui commence à présenter des signes de dépérissement. Il faut savoir qu'au niveau national, toutes les essences sont concernées. J'avais une question par ici. Oui, bonsoir monsieur. En ce qui concerne le scolyte, donc j'avais lu un ouvrage belge sur le scolyte et qui expliquait qu'en fait c'était la larve qui était très dangereuse parce que dans l'écorce, donc, elle coupe les canaux. Et dans cet ouvrage, ils expliquaient que il y a un produit qui existe, un produit hormonal, pour attirer les femelles. Parce que d'après l'ouvrage, le mâle donc perce l'écorce, fait une galerie, et ensuite, bon, bah, c'est les femelles qui viennent, qui pondent, donc c'est la larve qui est gênante. Et je voudrais savoir, est-ce que ce serait efficace dans les attaques de scolytes d'utiliser des produits hormonaux pour attirer les femelles, et ensuite les détruire pour, bon, je pense pas le stopper, mais au moins pour le freiner. Parce que bon, tant qu'il reste dans des populations qui ne sont pas explosives, qui ne sont pas à croissance exponentielle, peut-être qu'il y aurait une solution de ce côté-là. Je pense qu'en Allemagne, ils font ce genre de produit. Ça doit être le laboratoire Höchst, je crois, si je me souviens bien. Merci. En fait, ces procédés, ils ont été testés, je crois, dans les années 80-90. Mais c'est juste, désormais, c'est juste utilisé pour avoir des indications justement sur le niveau d'augmentation, les niveaux de population. Donc il y a des pièges qui sont mis par endroit à faire hormones, hein. Mais c'est juste pour justement connaître l'intensité des populations, le niveau de population. Mais en aucun cas, on ne pourrait lutter efficacement contre la prolifération. Je ne suis pas un spécialiste hein, comme différentes personnes ici sur les scolytes, mais je sais que ces pièges à phéromones, en fait, ils étaient couplés par de l'insecticide en forêt. Donc, mettez les pièges à phéromones pour attirer les scolytes, et ils arrivaient sur des pièges qui étaient en tout cas traités avec des choses qu'aujourd'hui il est absolument impensable de mettre en forêt. Donc honnêtement, ces pièges à phéromones ne pourront pas servir à détruire les squelettes, en tout cas à diminuer la population de squelettes en forêt. Je ne sais pas s'il y a de l'insecticide, hein, mais en tout cas, le procédé avec pheromones ne permet pas de lutter à l'échelle de gestion, si je puis dire. Hein. C'est toujours des expérimentations, où je vous dis, des dispositifs pour quantifier la gradation de la population. Oui, ça mesure. En mettant des pièges répartis sur le territoire, on peut savoir que la population, voilà, on a des collègues, hein, enfin, j'ai des collègues dans mon service qui vont régulièrement relever ces pièges, hein, il y en a dans les Vosges, hein, et on sait que, par exemple, telle semaine, il a piégé tant d'animaux, tant d'insectes, ça peut être le double de l'année d'avant, donc on sait que là, il faut être prêt à réagir, hein, et ça peut être moins, enfin voilà, on s'attend un petit peu, on devance un peu les choses avec ces mesures. Je passe le micro pour une autre question. Bonjour. J'avais une question un petit peu plus économique. Je ne sais pas, monsieur Sieur en particulier, qui a parlé tout à l'heure du problème qui pourrait se poser d'avoir une surexploitation et une offre supérieure à la demande. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que par rapport à l'état des forêts actuelles, Vosgiennes ou non, est-ce qu'on peut vraiment arriver à ça,
sachant que je travaille depuis récemment dans la charpente et je sais que mon patron, lui, est à court de bois. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment arriver à une offre supérieure à la demande par rapport à l'exploitation? Alors, normalement, en période normale, non, parce que comme je disais tout à l'heure, on adapte notre outil de production à la forêt, c'est pas l'inverse. Sauf qu'en période de crise comme celle que l'on a vécue avec les scolytes, où il y avait énormément de bois scolité en forêt ou de dépérissant, oui, forcément, il y a eu énormément de bois qui arrivait sur le marché, qu'il fallait sortir vite pour les valoriser au maximum. Et d'ailleurs, tout n'a pas pu être valorisé comme on voulait, mais c'est en période de crise comme on l'a eu là. Quand vous avez quand même un volume disponible qui est multiplié par deux, on a des capacités de production. J'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait s'adapter, mais on ne s'adapte pas en 6 mois quand même. Hein. Monter un outil de production, ça se fait pas comme ça. Et après, pour la problématique que peuvent connaître les charpentiers ou utilisateurs du bois, ou lamellistes, ou constructeurs bois, la problématique, c'est... Là, par contre, c'est plus au niveau de la forêt, c'est totalement ailleurs, c'est juste le marché mondial qui explose énormément. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça explose depuis automne. En tout cas, ça impacte la France depuis le premier trimestre de cette année. Et forcément, on ne peut pas adapter, on ne peut pas monter 3 équipes, 4 équipes, 5 équipes, parce qu'on ne va pas taper aujourd'hui. On ne peut pas produire plus que la matière que l'on a. Alors, il y a de la matière disponible, il n'y a pas de rétention nulle part. Mais après, on ne peut pas faire n'importe quoi avec la forêt. Non, il n'y a pas de problème de disponibilité de bois, c'est un problème d'adaptation des capacités de production sur le Grand Est. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des... Rien que sur le département des Vosges, il y a des capacités importantes de production qui sont en train de s'installer cet automne, l'année prochaine et encore l'année prochaine, pour pouvoir répondre au marché qui est plus demandeur aujourd'hui, parce que le bois est de plus en plus utilisé dans la construction. Je suppose que vous connaissez la Euro 2020, hein, tout le monde ne la connaît pas, mais je pense que vous en avez entendu parler. Et la Euro 2020, tout simplement, qui oblige l'utilisation non plus de 6%, mais de 15% de bois dans la construction. Donc forcément, on va utiliser de plus en plus de bois dans la construction, donc il faut que les capacités de production augmentent. Mais pour qu'elles augmentent, il faut tout simplement que la forêt suive. Et il est hors de question que l'on produise plus que la forêt suive. On ne l'a jamais fait, on ne le fera jamais de notre vie. Merci Gérald. J'ai une autre question ici. Merci. On a énormément repiqué d'épicéas dans les années 50-60 sur des terres agricoles. Quand je vois des terrains entre guillemets plats, est-ce que qui ont supporté, enfin qui ont reçu de l'épicéa à l'époque et qui sont aujourd'hui scolités et abattus, est-ce qu'il serait irréaliste de retourner en arrière de ce point de vue, pas une échelle forcément énorme, mais de rendre du terrain agricole. Débat. Qui veut répondre à cette question ? Monsieur Chien. Merci. Donc, effectivement, on peut le voir... notamment dans le col de la Chlourte, où ils ont fait une coupe franche de bois scolité, on va réassister à une réouverture des paysages, où justement on va pouvoir éventuellement repartir sur de l'agriculture de montagne, avec des vaches, des chèvres, tout ce qu'on peut imaginer comme ça se faisait à l'époque. Donc effectivement, ça peut être une piste. On va prendre encore... Deux questions encore derrière. Oui, juste pour revenir très, très vite sur la question qui vient d'être évoquée. En fait, sur la partie, ce qu'on appelle la route des forts, vous connaissez, je pense, tous la limite entre les Vosges et la Haute-Saône.
qui était vraiment très 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 touché par le scolite, toute la vallée de la Moselle et de l'autre côté sur la Haute-Saône. Sur ces secteurs-là, il y a eu quand même pas mal d'hectares de dessouchés où un broyeur est passé, ils ont broyé les souches et ils sont revenus à des sols agricoles sans plantation de bois. Ah non, on n'a pas. Non, on sait que ça se fait. Aujourd'hui, on n'a pas de chiffres. Et sur le secteur dont je vous parle, en fait, c'était des propriétés. Hein. C'était pas des forêts communales biomédiales. C'était pas des forêts gérées par l'ONF. C'était des forêts gérées par des privés. Et je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Et je ne veux pas pour vous dire le total d'hectares qui ont été qui sont retournés à la culture. Oui, pour le scolite, pour revenir, donc en 1947, le scolite s'attaquait qu'aux épicéas, quasiment. Il n'y avait pas d'autres sens qui étaient en dépérissement à l'époque-là. Maintenant, le scolite, moi, de ce que j'ai appris quand j'étais en forêt, en formation forestière, on apprenait que le scolite attaquait donc le épicéa exclusivement, quasiment. Et les autres étaient des nématodes. Alors je ne sais pas s'il y a une différence, quelle différence il y a entre les nématodes et le scolite. Et d'ailleurs, ça se voit dans les parcelles qui a des épicéas et qui restent quelques sapins. Vous avez tous les épicéas qui sont secs et les sapins qui n'ont rien du tout. C'est... Donc si on veut, c'est clair et net que le scolite qu'on appelait donc depuis toujours, surtout depuis après la guerre et tout ça et avant, le scolite attaque l'épicéa et les autres essences d'arbres qui seront attaquées, ce sont des champignons, les nématodes, des autres choses, mais pas... Alors je ne sais pas quelle classification qu'il y a entre les nématodes et les scolites. Voilà, merci. Bon, je fais juste une petite précision, mais parce qu'il sera sans doute complété par les collègues. Simplement, le scolite de l'épicéa, c'est donc le Lips typographe, mais il y a d'autres espèces de scolites. Donc, Jacques Bois de l'ONF l'a précisé tout à l'heure, il y a des scolites du sapin. Voilà, il y a différentes espèces de scolites qui vont s'attaquer à différentes espèces d'arbres forestiers. Voilà, simplement, ce n'est pas le même qui s'attaque à l'épicéa, qui va s'attaquer au sapin ou qui peut s'attaquer à d'autres. Le pin peut aussi être touché. Enfin, voilà, il y a différentes espèces dans la famille des scolites. Non. Enfin, oui, voilà, il y a dans les scolites, je pense savoir qu'il y a 5 espèces ou sous-espèces, typographe, calcographe qui s'attaque à l'épicéa, et le curvidenté, c'est sûr, s'attaque au sapin. Mais le scolite curvidenté est beaucoup moins fréquent et beaucoup moins répandu, hein, je pense, que le Lips typographe, par exemple. Et franchement, voilà, c'est... Et les épicéas, forcément, sont touchés en premier. Comme vous l'a expliqué M. Boit tout à l'heure, en fait, le scolite, il va s'attaquer, il va être opportuniste, il va s'attaquer à un arbre faible. Si un scolite va s'attaquer à un arbre sain, le résineux va produire de la résine, il va noyer l'insecte et l'histoire s'arrêtera là. Maintenant, dès l'instant que les arbres sont faibles, ils ne peuvent pas réagir, ils ne peuvent pas produire suffisamment de résine, parce qu'une attaque de scolite dans des périodes d'envol fort, comme on a connu sur les 3 dernières années, avec des sécheresses vraiment, et tout le monde le sait, voilà, on a vécu vraiment un manque d'eau énorme, et ces arbres-là, qui ont des racines traçantes, en plus qui ont des racines traçantes, qui sont des arbres qui souffrent en premier, du dépérissement. Ensuite, le sapin souffre un peu plus tard parce qu'il a une racine pivotante et qu'il peut aller chercher l'eau un peu plus bas dans le sol. Le temps avançant, et je sais qu'on doit libérer monsieur le député dans 5 à 10 minutes maximum, je propose qu'on prenne une dernière question puis qu'on fasse un petit mot de la fin ensuite. Oui, bonsoir messieurs, dames. Je suis Patrick Pou, responsable et président du club Augien Gérardmer. Alors moi j'ai quelques questions par rapport à un urbaniseur
qui effectivement se trouvent sur les sentiers, aux marcheurs, randonneurs. Faut-il sensibiliser ces équipes, ce public, au danger de ces passages de forêt où effectivement il y a des arbres malades, quoi. Voilà, merci. Je veux bien répondre rapidement. Moi, en fait, vous demandez s'il faut les sensibiliser au risque, bien entendu, mais il faut sensibiliser tous les utilisateurs de la nature au risque d'accident. Personne n'est protégé de ça aujourd'hui. Actuellement, il y a des jours où nous, quand on est en forêt, on a des alertes météo, les épisodes de vent fort, et automatiquement, on donne à nos personnels l'ordre de ne pas aller en forêt ces jours-là. Et ce phénomène-là, il va, quand on voit la quantité d'arbres dépérissants, forcément, ça va prendre, il y aura de plus en plus de risques, quoi. Et donc ça, tout le monde doit en être conscient. Maintenant, même parfois, quand il n'y a pas d'alerte météo, nos personnels décident d'eux-mêmes de quitter la forêt. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde doit apprendre. On parlait du feu tout à l'heure. Le feu, ça, c'est pas seulement les pompiers, c'est pas seulement l'ONF, pas seulement la gendarmerie. Le feu, c'est tout le monde. C'est vous, dans la salle, qui devez faire attention, respecter les gestes. C'est pas des gestes barrières aussi, voilà. Et c'est pareil pour la sécurité. La sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Et il y a un moment, il faudra que les gens, enfin que les usagers de la forêt comprennent que la forêt de demain, qui va être touchée fortement par le changement climatique, c'est plus la forêt d'aujourd'hui. Voilà. Je vais juste ajouter une chose. En fait, vous, au niveau du club vosgien, en fait, vous pouvez signaler justement un arbre dangereux en bordure de sentier. Je sais, sur le massif vosgien, je travaille des deux côtés du massif vosgien. Je travaille pour la commune de Soultz, beaucoup, à côté de Guebwiller. Et il n'est pas rare que les agents forestiers nous envoient, je suis bûcheron, je ne sais pas si tout le monde le sait, et il n'est pas rare que les agents forestiers nous envoient couper des arbres qui représentent un risque d'accident pour le promeneur. Donc c'est aussi à vous, en tant que président et même promeneur, et même une personne lambda qui va se promener, qui n'est pas forcément adhérente au club vosgien, peut signaler des arbres dangereux directement à l'agent forestier qui est en charge du secteur. Oui, je voudrais rajouter sur le volet sécurité. Depuis 2020, nous avons un arrêté préfectoral qui interdit à toute personne en forêt de fumer. Et depuis l'année dernière, tous les barbecues sont en cours de destruction. Donc, il est vraiment important d'être en toute sécurité et de faire attention. Très bien. Écoutez, je vous remercie tous ici d'avoir participé à cette conférence débat. Merci surtout à vous. Moi, je me suis un peu baladé dans la salle, j'ai vu qu'il y avait des personnes de toute génération. Je suis ravi de voir que c'est quelque chose qui touche un peu. Enfin, ce sujet-là est intergénérationnel pour moi par essence, puisqu'on parle du présent, on a parlé du passé, et c'est surtout l'avenir aujourd'hui qui est un peu préoccupant, ou en tout cas, il va falloir sur lequel s'adapter. Je ne sais pas si quelqu'un veut peut-être dire un petit mot de conclusion. Madame, ah non, c'est une petite intervention quand même. Merci. Ce ne sera pas une bonne conclusion, mais juste reprendre ma casquette. Alors, je suis là en tant que conseillère départementale, mais ma casquette, d'élu d'une petite commune de 189 habitants. Je sais qu'il y a pas mal d'élus dans la salle. Nous, notre problématique actuellement, effectivement, c'est, on le sait, le bois, c'est une ressource communale très importante, sans quoi on est quand même au niveau finances communales. Voilà, c'est difficile. Aujourd'hui, on a effectivement des forêts qui ont subi des coupes. Et si je retiens bien, j'ai appris plein de choses, mais les élus, on apprend tous les jours, il n'y a pas de souci. Et si je retiens bien ce que j'ai entendu concernant la forêt communale, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur ces parcelles qui ont été coupées, au fond, on ne sait pas quelle essence on peut replanter si je comprends bien. Parce que, effectivement, on en parle et on nous dit on va planter de nouvelles essences, il faut faire des essais, parce qu'il faut finir, etc.
et on est vraiment dans le questionnement. J'ai entendu parler prendre du recul parce qu'on ne sait pas exactement au fond ce qui pourra s'adapter. Par exemple, ma commune qui a 800 mètres d'altitude, c'est l'altitude qui joue, je suppose. Donc il vaut mieux être, je me dis, être pas trop impatient de replanter et plutôt voir ce que ça donne au niveau de tout ce qui peut être en étude actuellement. Est-ce que j'ai un bon raisonnement ou pas? Parce qu'il y a des élus, je pense qu'on est tous... Tout à fait. Enfin, alors, on ne sait pas quelle essence planter. Ça, c'est vrai, mais de toute façon, on ne saura pas. Il y a quand même des orientations qui nous sont données. Il y a un panel d'essences. Il y a des essences qui sont autorisées. Il y a des essences qui ne sont pas autorisées. Parce qu'on a une réglementation quand même forestière au niveau national. Donc, il y a un panel d'essences dans lesquelles on peut prendre. Et il y a un panel d'essences qu'on teste. Donc celle-ci, les tests, c'est vraiment sur des toutes petites surfaces. Hein. Il ne faut pas qu'on fasse de bêtises non plus avec la génétique. Hein. Il y a des choses qu'il faut... Voilà, il ne faut pas y aller en plantant. Allons-y sans réfléchir. Quoi. Par contre, il y a une stratégie. Enfin, en tout cas, à l'ONF et je pense également au CRPF, on a tous une stratégie. La stratégie pour le massif vosgien, essentiellement, et le Grand Est, c'est quand même... Tant qu'on a des essences qui semblent à peu près pouvoir résister, on continue avec ces essences. Votre commune est à 800 mètres. À 800 mètres, on peut espérer que l'épicéa n'est pas forcément condamné définitivement. Hein. On n'est pas comme dans la plaine vosgienne. Dans la plaine vosgienne, on sait que là, il ne faut pas replanter d'épicéa. Donc là-bas, on replante avec une autre essence. Parfois, il y aura de toute façon quand même de la régénération naturelle d'épicéa. Donc on ne va pas non plus sabrer les essences qui étaient présentes auparavant. L'objectif, c'est d'enrichir par endroit. Donc quand vous avez une essence qui n'est plus du tout adaptée, donc là, on plante autre chose. Quand vous avez des essences qui sont malgré tout adaptées, on va injecter des nouvelles essences dedans ou d'autres essences qui sont déjà dans le massif. Hein, voilà. Et l'objectif, c'est avant tout la diversité. Le maître mot, c'est diversité, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Voilà. D'accord, merci. C'est très important d'avoir cette réflexion puisque, évidemment, on prépare le futur. On prépare le futur. Voilà, donc merci. Il ne faut pas se précipiter, il faut aussi observer. Hein, Si je peux rajouter une dernière note positive, au CRPF, on a récemment sorti un guide stationnel pour les plateaux calcaires. Donc les guides stationnels, je répète, c'est... On va se servir des données qu'on a dans le sol pour savoir ce qu'on va pouvoir planter comme essence derrière. Et la note positive là-dessus, c'est qu'on a un guide qui va sortir pour le massif vosgien d'ici quelques années. Donc c'est en cours. Voilà. Juste la petite difficulté pour vous faire toucher du doigt hein, la difficulté, c'est qu'on a des étés parfois très secs, mais on a encore des gelées. Hein, des gelées tardives. Des gelées tardives, on en a presque plus souvent maintenant qu'auparavant. Quoi. Donc il y a des gens qui nous disent mais vous n'avez qu'à mettre les essences de la Méditerranée, vous les mettez là. Oui, mais en attendant le climat il n'est pas encore là, donc il y aura encore du gel tardif, il va y avoir des gels précoces, il va y avoir peut-être on a aussi des problèmes de neige lourde hein, l'hiver, des phénomènes qu'on avait beaucoup moins souvent auparavant. Maintenant on a souvent des épisodes avec beaucoup de neige qui tombe d'un coup, de la neige lourde qui fond vite et les branches cassent. Enfin, voilà, c'est pas évident, hein. C'est un climat. Le climat de demain, on ne peut pas dire qu'on le connaît. Il sera plus chaud, ça c'est sûr. Voilà. Très bien, ben merci. Donc le climat, c'est aussi un peu donc, je dirais l'élément qui nous a tous touchés ici et puis qui nous a fait déclencher cette conférence. Moi, je tenais à vous remercier, notamment Stéphane, je te remercie, Stéphane, d'avoir annulé aussi ces événements auxquels tu étais convié au départ et que Stéphane a choisi de venir dans les Vosges pour nous parler, nous offrir son éclairage sur le sujet. Donc, merci beaucoup de tout ça. Merci à vous tous de vous être déplacés ce soir. Vraiment un grand merci. Merci à vous, tout ce public qui est là présent. Sylvain, je tenais aussi à vous remercier, notamment aussi au nom de Laurence Fournel et donc d'association Vosges en Images et Nature en Images pour l'organisation de cette conférence. Je te laisse peut-être dire un petit mot pour la fin, comme ça je te mets mal à l'aise pour la fin, c'est bien. Ouais, merci. Oui, mais moi je tenais vraiment à vous remercier tous d'être venus un petit peu aux informations. Voilà, le but c'était ça, vous informer. J'espère qu'on a répondu à peu près
aux questions que vous vous posiez sur la problématique du dépérissement de nos forêts, comme vous avez pu le voir, ben voilà, on est encore, on n'est pas sûr de l'avenir forcément, et oui, les essences, ben ça, voilà, ça me touche. Quelle essence on va pouvoir remettre, mais il faut surtout, enfin moi, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, mais je pense qu'il faut quand même laisser un peu la nature se refaire après ces 3 années de sécheresse. On ne sait pas, il y a un réchauffement climatique, c'est certain. Les années de sécheresse, c'est un autre problème. Les 3 années qu'on vient de vivre, c'est vraiment quelque chose qui doit nous faire réfléchir justement à ce qui va se passer et à ce qu'on pourrait faire. C'est en cours. J'espère qu'on a répondu à tous. Bonne soirée, merci.